Hey yo yo, c'est Caballero et Jean On Jass. fait ça en deux spi. Bang! Si, si, si. Caballero, Jean Jass, Bruxelles vie en un mot. Sandwich, Emir Dag. Studio. Planète. Pardon. Elle est facile celle-ci. Shit ou beuh? Beuh. Beuh. Rap français ou rap belge? Rap francophone. Vos vrais prénoms? Arthur. R-T-U-R. Lui c'est Arthur. Et moi c'est Jassim. J-A-2-S-I-M. Qu'est-ce que Caballero a de plus que Jean Jass? 20 kilos. Approximativement. Et qu'est-ce que Jean Jass a de plus que Caballero? Un vagin. Je sais que vous aimez ça, votre appli de rencontre préférée. J'en ai pas, à part Instagram. C'est quoi une appli de rencontre? Tinder et tout, mais j'en ai pas. Non, ça va, je sais, j'essaie de feinter, frère. Ah, okay. Qui a le plus de succès avec la gente féminine entre vous deux? Putain, ils sont trop curieux ces gens, non? Moi j'ai une meuf, donc moi je prends zéro risque, ok? Question suivante. Une collaboration rêvée. Michael Jackson. Beyoncé. Plutôt arrêter définitivement la beuh ou le rap? Le rap. Le rap. Qu'est-ce que vous préférez cuisiner? Absolument rien. Moi, j'adore, je suis un grand mangeur de pâtes, donc je fais plein de sauces. Et je fais une sauce très très simple à base de sardines et de maïs, et elle est très bonne. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Bon, on se donne un peu de force comme ça. Tu sais, on se check là, comme ça là. Bon, et puis on se fait un petit, enfin bref. Ah ouais. L'une des choses les plus stupides que vous ayez pu faire foncer? Faire un featuring avec ce gars. Ouais. Non, tu sais, je sais pas, les trucs très cons, c'est genre... Ce qui est très con quand t'es foncé. C'est quand t'es méga foncedé à 5h du mat, t'es déjà foncedé et tu vas encore rouler un méga joint là. Ouais. Ça c'est très con. C'est vraiment stupide. Racontez-nous l'un des derniers trucs que vous ayez fait en deux spi. Moi je suis allé pisser là juste avant cette interview parce que c'était technique, sinon je me serais pissé dessus. Moi j'en ai roulé un petit en deux spi. Ah ouais? Bientôt 10 cas sur le poignet, repéré par le chien du douanier. Comme Broly, je viens te.